22 ans et pardon. On dirait clairement qu'à 30 ans, t'es président ou de la NASA. Je lève aux alentours de 10h, comment c'est tôt la journée. Tôt. Yo tout le monde, c'est Skoon, j'espère que vous allez bien ou que tu vas bien, ça dépend si t'es tout seul comme moi. Aujourd'hui c'est ma première vidéo réaction et j'ai trop envie de la faire, c'est une vidéo vraiment j'ai trop envie. J'ai regardé des vidéos de Tartin, ceux qui connaissent pas Tartin, Tartiflex, voilà c'est deux chaînes. Il réagit souvent à des vidéos de l'INA. L'INA c'est l'Institut National de l'Audiovisuel, il y a plein de vidéos de l'époque. J'ai vraiment envie de voir le quotidien d'un adolescent avant et un adolescent maintenant. N'oubliez pas de lâcher votre plus gros like s'il vous plaît, ça ferait ultra plaisir. Et préparez-vous, voilà on va regarder des petites vidéos tranquilles ensemble. Regardez comment il est sapé là. Regardez comment il est bien coiffé et tout. C'est abusé. Je m'appelle Jean-Michel, j'ai 14 ans. Je vais à l'école. Je vais à l'école, ouais. Logique. Quels sont vos loisirs et à quoi les occupez-vous? Le samedi après-midi avec des camarades dans les cafés, on joue au baby-foot. Moi toute la journée je joue à Fortnite. C'est pas la même chose. Je travaille un peu ouais, dans les cafés, tout ça. Dans les balles le soir. Les balles, c'est les boîtes de nuit, je pense. Je m'appelle Jean-Jacques, j'ai 18 ans, mes parents sont bourgeois. Je fais une collection de porte-clés. Ça me sent pas les couilles par contre. Enfin, je suis désolé, mais. T'étais pas obligé. Je m'appelle Martine. Je m'appelle Martine. Voilà. Je fréquente pas non plus une maison de jeunes. Zanjane. Collectionne les porte-clés. Mais c'est quoi leur délire avec les porte-clés? Maintenant, collectionne des pop. C'est mieux quand même. Yves, 22 ans, étudié en 4ème année. Pardon, mec, on dirait clairement que t'as 30 ans, t'es président de la République ou de la NASA, un truc ultra stylé. J'aime beaucoup la danse, la natation. En vrai, la danse, natation avec un tarpin de monde qui le font. C'est vrai que les jeux vidéo, ça a quand même pris la place de beaucoup de jeunes et c'est pas forcément ouf. Hein. YouTube et tout, je trouve ça ultra bien de pouvoir partager avec d'autres gens, vraiment. Ce qu'on fait, ça, YouTube, c'est énorme. C'est pas pareil que la télé, genre, tu dois attendre un programme, tu peux pas chercher ce que tu veux. J'aime beaucoup la lecture, la natation, la danse, le sport aussi. Bah, la natation et la danse. Je pense que c'est du sport. Si, la lecture. La natation. La natation. La danse, particulièrement. Si, la lecture. Elle vient de dire qu'elle aime la lecture, la natation, la danse. Après, il lui redemande qu'est-ce qu'il aime. Si, la lecture. Tes passions et violon dingue, je sais pas, c'est la même chose. Je fais partie d'un groupe de jeunes. On fait ciné-club, photo-club. Je fais partie d'un groupe de jeunes. Alors, ouais, c'est plutôt logique. En 1966, il y avait des groupes de photos. Stylé, 66 plus 18, il a 60. Il a 73 ans. Vous allez me demander à quoi j'occupe mes loisirs, évidemment. Bah, à Poitiers, vous savez, il n'y a pas tellement de loisirs. Bro, RIP Poitiers. Lui, c'est pas le créateur de Windows, non. Regarde sa tête. Bah, attends. Non. Et votre prénom? Ah, bah, c'est pas obligé de vous le dire. Oh la violence, votre prénom, oh, j'ai pas obligé de vous le dire. Vous voulez pas me le dire, hein? Non. Quelles sont vos occupations? Un peu de tout, quoi. Je fais un peu de guitare. Vous travaillez pas? Ça, je sais pas, vous êtes vous le dire non plus. T'as accepté pour faire un reportage? Il te demande des questions, réponds-lui. Vous êtes vous le dire non plus? C'est pas drôle. Et quels sont vos loisirs préférés en dehors de la musique? Un peu de tout, quoi. J'aime bien. Un peu de tout. C'est vague. J'aime bien me promener, quoi. Cinéma? Pas question de cinéma, non. Télévision, un peu. Baby foot, les appareils électriques dans les cafés, non? Oui, Juxabox, Flipper. T'as une moto, non? Un vélo moteur? Il dit qu'il aime un peu tout, mais en fait, il aime un peu de rien. Jamais on entendrait la phrase je m'appelle Jean-Michel. Ça, c'est totalement vrai. T'avais l'impression que les jeunes de l'époque, c'était déjà des adultes physiquement et mentalement. Mais oui, totalement. 70 ans sur nous. Moi, mon kiff, c'est TikTok. Alors, j'ai pas trouvé des tonnes de reportages. Si vous avez des meilleurs reportages, vraiment, qui disent ce qu'ils font de leur journée. Maintenant, on va regarder ce que font les jeunes aujourd'hui. Bienvenue à The French House Paris. Ouais, j'avais trop envie de regarder ça aussi. Genre, comment ils s'habillent les jeunes à l'époque. Vas-y, je vais faire d'autres vidéos sur les jeunes à l'époque versus maintenant. On peut voir Ochi et Raph. Il y a quoi de stylé là-dedans juste? Bon, ça a 279 000 likes pour ça. Mais ils ont fait quoi de spécial? C'est quand même chaud de voir qu'il y a des gens. Ils prennent leur tel, ils dansent. Et c'est leur boulot, genre. En plus, pas forcément, ils dansent bien. C'est juste des meufs qui profitent que ce soit des meufs pour montrer leur forme et tout. Ils gagnent leur vie comme ça. Après, je me transforme en meuf et je gagne ma vie juste en montant mon cul. Je sais pas si c'est n'importe quoi. Je préférais large époque d'avant. Meilleur duo de TikTok. Faire un TikTok. C'est gênant un peu. Ah, mais ok, ils enchaînent les TikTok. Mais oui, c'est putain, c'est leur boulot. Genre, ils vont là-bas, ils
font les TikTok, c'est vraiment leur boulot. Je vois des gens venir et me dire, même toi tu fais un YouTubeur, de quoi c'est un boulot frère? YouTubeur, t'achètes du matériel qui coûte beaucoup plus cher qu'un téléphone et un trépied. Il faut avoir des vraies idées, bon, on se fait recopier les gens pour que ça marche aussi, on va pas se mytho. Après, faut faire le montage. Faut essayer de faire des bonnes miniatures et le management, je sais pas comment, mais pour que ta vidéo soit bien mise en avant et tout, faut réfléchir. TikTok, tu mets hashtag, je sais pas quoi, tu te filmes sur ton tel, t'as des milliers de likes en faisant bonjour. Comment il se fait mal, je veux revoir ça. Voilà. Non, j'ai pas touché. Il fait semblant de crier, d'accord, et il a rien. Pourquoi il est mal à l'aise alors qu'il fait ça toute la journée? Instagram et plus d'un million sur Reddit. Et l'ambiance est cool, il n'y a pas les parents en plus, donc c'est toujours cool. Heureusement, sinon je pense qu'il t'insulterait tes parents. On se lève aux alentours de 10h pour bien se réveiller et... On se lève aux alentours de 10h pour bien se réveiller. 10h pour bien te réveiller, frère, tu fais ton boulot. Si YouTube serait mon boulot, moi je me lèverais tôt pour faire tôt le matin mes vidéos ou alors... Commencer à faire une vidéo sur toute la journée, un bon truc. On commence tôt la journée. Tôt. Pour pas être inactif. Désolé. On commence plus tôt. Attends, ils ont juste montré leur cul, on est d'accord. Comment ça, 57 000 likes? En fait, je comprends pas. Il y a des trucs stylés sur TikTok, il y a des gens, ils font des transitions de téléphone, des transitions de caméra, des effets spéciaux, des musiques, des trucs stylés. Mais les trucs comme ça, ça a coupé ce fils de moitié de caméra. Mais les trucs comme ça, c'est pas du tout stylé. Je vais re-écouter sa phrase, je sais pas si on aime forcément ça, mais en tout cas on fait. Deux mots, c'est juste pour l'argent, hein, d'accord. Attends, je vais re-écouter sa phrase. Que ça nous plaise ou non, enfin on le fait, c'est un peu le moyen que tous les jeunes ont de communiquer les réseaux sociaux, donc je sais pas si on aime forcément ça. Ah ok, c'est pas s'il aime forcément les réseaux sociaux, mais elle en fait son boulot. Avec les chiffres sur les réseaux sociaux, on s'en rend pas forcément compte, genre se dire il y a 1 million, il y a 300 000 personnes qui me suivent, on s'en rend pas forcément compte. Alors moi déjà, s'il y a 300 000 personnes qui vont me suivre, t'inquiète que je vais me rendre compte. Je voudrais voir le nombre de likes qu'il y a pour ça. Attends, c'était vraiment juste ça? C'était ça le... C'est le 29-10h pour quand c'est assez tôt la journée. Des millions d'années d'évolution d'être espèce pour en arriver là. Ils s'enferment dans une maison pour faire de la merde. Ah mais tu vois, ils feraient des trucs si, ou même juste des live Twitch. J'en profite, j'ai un Twitch, je le mets là. Dites-moi si vous avez aimé dans les commentaires, s'il vous plaît. Dites-moi si vous voulez d'autres vidéos de ce genre. Dites-moi en commentaire, s'il vous plaît, si vous connaissez des reportages, donnez-moi les liens. Des reportages plus poussés, par exemple, sur vraiment le quotidien des jeunes aujourd'hui. N'oubliez pas le petit like, s'il vous plaît, l'abonnement. Mettez la cloche si vous abonnez et partagez à vos potes, s'il vous plaît, ça ferait ultra plaisir. Salut!